Cinquième année primaire, cahier d'activité de français, la page numéro 8. Séquence 1. Séquence 1. Je lis. La lecture, je lis et je comprends. La compréhension, je lis et je comprends. Comment je comprends? J'utilise Google Images. Je regarde l'image. Comment je regardais l'image? Je regarde l'image avec Google. Et puis, je lis. Qu'est-ce qu'il y a dans l'image? L'image, premièrement, c'est une image floue. Il n'y a pas beaucoup de détails. Il faut avoir des autres images. Dès le début, il y a une gazelle qui court vite. Comment je connais la vitesse d'après la photo? Je regarde les traces. Regarde les traces, comme les dessins animés. Gazelle dans le désert court vite. Est-ce que il y a d'autres détails? Je vois les cornes des gazelles. Est-ce que je vois la couleur de cette gazelle? Non. Est-ce que je vois la couleur du cou? Non. Donc, cette image inutile. J'utilise d'autres images. Avec Google Images, on aperçut d'autres détails. Voilà une gazelle, une belle gazelle. J'essayais de décrire cette gazelle. Le dos, je vois quoi? Une bande. Le ventre est blanc. Le dos est marron. Il y a une bande noire entre sépare le dos et le ventre. Les pattes fines, les pattes des gazelles fines. Il y a deux cornes. Et c'est une belle créature de Dieu. C'est une belle gazelle. C'est une belle gazelle. Deux cornes, petite tête, une dos. La couleur, le poil est marron. Sur le dos. Le poil est marron sur le dos. Et j'ai le ventre blanc. Le ventre blanc. C'est ça le ventre. Et j'ai remarqué aussi une bande noire sépare le ventre et le dos. La séparation. Dans cette image, je peux conclut la vitesse, la rapidité de la gazelle. Cet animal, il court vite. Cette image montre une belle gazelle. Une gazelle délicate. Inspirée l'artiste. Voici des cornes. Il ressemble à une chèvre. La gazelle ressemble à une chèvre. Ces photos, il ne suffit pour dire beaucoup de choses. La vitesse. Je peux remarquer la vitesse dans cette photo. Il court vite.
Un animal sauvage. Un animal sauvage. La gazelle est un animal délicat. La gazelle est un animal délicat. Elle se nourrit de plantes, d'herbes, des feuilles. Elle est rapide lorsqu'elle sent le danger. Elle bondit sur place. Elle a des pattes fines et une queue noire. Le ventre est blanc. Le poil est marron et marron sur le dos. Une bande noire sépare le ventre et le dos. Et le dos. Les sabots sont pointus. Sa petite tête porte des cornes noires. D'après l'encyclopédie Larousse.fr. Je lis plus vite que ça. Un animal sauvage. La gazelle est un animal délicat. Elle se nourrit de plantes, d'herbes, des feuilles. Elle est rapide. Lorsqu'elle sent le danger, elle bondit sur place. Elle a des pattes fines et une queue noire. Le ventre est blanc. Le poil est marron sur le dos. Une bande noire sépare le ventre et le dos. Les sabots sont pointus. Sa petite tête porte des cornes noires. D'après l'encyclopédie Larousse.fr. Le sabot d'une gazelle. Le sabot. La fin de ses pieds. Elle a un pied fine à la fin de ses pieds, le sabot de girafe, le sabot de chameau. Le chameau a deux doigts, le chameau, les sabots des animaux. La gazelle, les sabots des gazelles, les sabots des gazelles, les sabots sont pointus, les sabots sont pointus. L'animal pip-pip, il court vite. Comment je sais qu'il court vite? Il y a les traces de poussière. Avec les traces de poussière dans l'image, je peux conclure qu'il court vite. Pip pip. C'est un animal, il court vite. Il bondit sur place. Donc, ces traces, ils montrent que le gazelle court plus vite. La gazelle est un animal délicat, vrai. Il se nourrit des pattes, faux. Il a une queue noire, vrai. Il a une grande tête, faux. Il n'a pas rapide, faux. Je regarde l'image et je trouve la phrase du texte. Lorsqu'elle sent le danger, elle bondit sur place.